Et puis après, chacun peut aller faire ça dans son champ. C'est ce que donc le directeur expliquait tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est une parcelle, c'est un site, c'est le site des jeunes où ils viennent apprendre. C'est un site école. Voilà. Les VA, c'est mis dans des lignons, non? Non, c'est directement là, c'est semi-direct quoi. Ah. Après, quand ça va, après ça va se greffer. Maintenant, une fois c'est greffé, tu peux le planter directement. Voilà. Ça dit ça enracine nu. Ou alors tu les mets en jauge dans les sachets. Et tu arroses, ça pousse. Là, c'est les plants en jauge. Donc, tu vois, il y a deux espèces. Il y a les racines nues qu'on peut planter directement. Et il y a les plants en jauge. C'est les racines nues qu'on met dans des sachets pour avoir des plants en jauge. C'est-à-dire qu'on les a poussés. Comment la bouche cadre pour intervenir pour le greffage. Là, je suis d'accord avec ce principe-là. Je dis, ah, mais bon. Donc, voilà comment on a trouvé le site. Et donc on allait, je leur ai appris comment faire la pépinière et tout ça, et on a fait cette pépinière que vous avez vue ce matin. Et même j'étais très content. Et je crois que quand le commissaire Zadier est venu un jour, ils lui ont parlé de le voir, il était très content. Il a dit merci, vous commencez comme ça, mais nous on peut vous aider. Vous appuyez. Écoutez, là c'est la pépinière du couvent. On a fait la mise en pépinière. Donc après les planches, on met les grains. On verse les grains, on recouvre ça un peu de sable. Après on couvre ça de paille, on arrose constamment, matin, soir. Ah, bah, on va faire quoi, ça? Mon dernier, du ma boudou, ma.